Hey tout le monde, c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel easter egg sur Red Dead Redemption 2. Et celui-ci est un peu spécial, voire un peu flippant, donc âme sensible, s'abstenir. Non je rigole, mais vous allez voir, c'est très dérangeant. Donc rendez-vous ici, vous voyez l'inscription New Hanover sur la carte, et bien c'est juste en dessous de la lettre R. Et donc quand vous vous rendrez ici, et bien vous devriez trouver cette maison abandonnée, en sale état. Logiquement vous ne devriez pas pouvoir y entrer par la porte. Le seul moyen d'y pénétrer est de passer par la fenêtre, sur la gauche. Et donc une fois à l'intérieur, regardez-moi cette horreur les amis. Je vous avais dit hein, c'était flippant. Alors avant d'aller l'observer de plus près, on va découvrir un petit peu les notes qui sont dissimulées un petit peu partout dans la pièce. Donc on a par exemple cette première note, la créature est prête, les membres sont dans la glace, tout est prêt pour l'opération. Le jour approche, immensa creatura. Donc voici la bête de très près. Alors certains supposent que c'est une référence à l'homme ours porc que l'on voit dans la saison 10 de South Park. J'avoue que ça y ressemble pas mal, mais je pense surtout que c'est juste un taré qui faisait des expériences sur l'homme et les animaux. J'espère juste que ce gars est mort, parce que c'est un grand malade. Bref, voilà, c'est tout pour cet easter egg les gars. Après vous pouvez continuer à explorer la pièce, hein, vous y découvrirez quelques trucs tout aussi dégueulasses que la bête. Mais rien d'autre. Hein. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à y faire un tour pour voir ça de vos propres yeux. N'oubliez pas les petits pouces bleus et puis rendez-vous bientôt pour d'autres easter eggs. Portez-vous bien, tchuss.